parce que je la connais, et du coup elle me disait c'est bizarre, j'ai pas reçu la notif quand t'as joué. D'accord. Bon, ça va être mieux là, non? Attends, ça charge. Normalement, oui. Ah ouais, clairement. Là, c'est bon. C'est. Ouais, mais est-ce que je passe par OBS et pas par Streamlabs, du coup? J'ai tenté le truc de Streamlabs et... A priori... Sacrément le why chez toi. C'est le bordel, là. Mais attends, encore, j'ai mis le drap derrière parce que sinon, il y avait un putain de contre-jour tout à l'heure. Ouais, un contre-jour la nuit, ouais. Bah là, maintenant, il y est toujours, mais c'est parce que j'ai pas, je l'ai pas retiré. Mais encore, c'était pire tout à l'heure. Mais t'as pas de rideau? Non, j'ai pas de rideau dans cette pièce-là. J'ai des rideaux, mais dans ma... dans mon salon, quoi. Alors, t'as dit, on joue Arsène Lupin, joue à Payday 2. I've got your back. Bah moi dans le titre. Ouais, on joue Arsène Lupin. Bah tu vas voir, on va jouer Arsène Lupin, Gentleman Cambrioler. Ouais, attends. Je peux te dire que là. Pas trop. Je peux te dire que là, ça va gentlemaner à donf. Ah ouais, tu mets même tes petites lunettes. Ouais. Ah, en fait c'est le masque. C'est le masque de Scarface. Là, je suis en train de jouer Scarface en fait. Don't go on TV now, ok? Faut que j'aille voir mon gratin. Yes. Merci. Mon gratin! Mon gratin. À toutes. À toutes. Ça bug grave. Ouais, bah, ça bug plus du coup. Je suis repassé en normal. Normalement, c'est mieux. Merde, il y a caméra devant. Mais putain, mais bouge toi, bouge toi, bouge. Bon, je vais essayer de trouver un autre passage. Je vois qu'il y a la sécurité ici. Il y a la sécu, il y a pas la sécu. Passer. Salut mon pote. Hey Control, I'd have called in before, but I was so fucking bored I couldn't bring myself to talk. But here I am. You happy now? Huh? Yeah. Yeah. Encore 3 minutes en fait. Tu viens de pas te voir, tu t'as même pas vu le kill que j'ai fait quoi, il est magnifique. Je lui ai mis des grosses teutés là. Mais putain, il y a une dame là, comment je fais pour jeter mon corps? Et bah je peux pas. Voilà. Bah, le cadavre que j'ai là, là. Mais avec ton gros pistolet, tu peux pas te faire repérer? Si. Bah y'a un mec tout à l'heure là, il est passé là et il t'a même pas vu. En fait non, ce que je disais c'est que il y a en gros un degré d'armure, on va dire. Plus ton armure est fine, légère, machin, et plus tu vas être discret. Donc là en fait, si t'es à 1, c'est le maximum que tu puisses faire, tu vois, genre tu t'es discret de ouf, c'est un truc de malade. Par contre, du coup, ça monte jusqu'à 99.
Donc c'est hyper facile de gagner des points contre la discrétion. Non, c'est il me reste 1 minute 20 là. Watch out, guard. Mais bouge toi. Pardon. Tiens, il m'énerve. Il bouge pas. There's nothing happening here. Ouais, bah au bout d'un moment. Mais non. Mais non, mais l'autre il arrive au même moment quoi. Tu vas pas voir ton pote quand même. Oh, mais là si tu vois pas quand même. Mais putain. Non mais d'accord. En fait non mais du coup ouais t'as un degré de discrétion et là j'ai un score de 9. J'ai un score de 9 sur 99 tu vois. Et au final au final 9 c'est vraiment pour y aller déjà c'est hyper dur. Mais rien. En équipement je me bats avec quand même un arc. Ouais, mais c'est un arc avec des flèches empoisonnées. Ouais, bon app. En plus. Nice. Just like in one of those odd black and white movies, yeah? Heisting an H.P. Lovecraft novel. Quickly now, friends. In and out like mousy ghosts, yeah? Rats in the walls. La voix elle vient de Discord de Shell. Go on ahead. I'll be ready when the party starts. OK, bon. On va essayer de faire les choses discrètement et okay. Tranquillement du coup. Hein. La méthode je cours vite partout, ça marche pas. On va essayer de faire calmos. I don't want to see your pretty ass on TV, okay? Là lui faut que je fasse le tour de l'autre côté, c'est pas possible, mais il est toujours là. Non mais il me voit au travers du mur, c'est abusé. Le but du jeu c'est de réussir le cambriolage. Donc là j'ai un truc à récupérer à la fin du niveau. J'ai un truc spécial à récupérer à la fin du niveau pour pouvoir gagner en fait. Et bah le but du jeu c'est de gagner plein de thunes. Mais non. Ça finit jamais en fait ton plat. C'est un plat infini. Plus tu le mets à cuire et plus il reste du temps pour que ça cuise. Donc là on a dit qu'il y avait un mec. Mais... faut vraiment que je bute le mec de la sécurité, hein. C'est pas possible. Là j'en ai marre. Là, ça permet d'ouvrir la réserve en fait. En les hackant, on peut avoir accès à la réserve. Donc, un sur deux. Mais le bâtard, mais pourquoi tu tires direct aussi, toi là? Mourez tous. Putain. Ça détend. Putain, je l'ai pas vu arriver lui. Okay, so we're going to Salem and
steal the artifact from the fancy rich Twinkie party right before the auction starts, yeah? Nice. Just like in one of those odd black and white movies, yeah? En fait, les quand on est en discret comme ça, ce qui est embêtant, c'est qu'on peut pas tuer un nombre illimité de personnes. Déjà, tuer des civils, ça engendre des coûts de nettoyage de 10 000 $. C'est pas excessif, mais c'est chiant, ça fait perdre de l'argent sur la fin de la mission, c'est pas le but. Et en fait, on a un nombre de beepers utilisés. Donc les beepers, c'est quand on tue des mecs, en fait, ils sont censés répondre aux beepers de temps en temps. Donc du coup, il faut répondre à leurs beepers en disant bah c'est bon, tout va bien, le temps qu'il sonne encore. Si on ne répond pas aux beepers, directement ça appelle la sécurité, ça appelle les flics. Et là bah du coup j'essaye de récupérer le chalumeau en premier lieu. Il est pas là, putain il est en bas. Je voulais essayer de récupérer le chalumeau en premier lieu, comme ça j'arrivais, j'avais déjà le chalumeau et puis à la fin on n'a pas besoin d'aller le chercher quoi, il est déjà sur nous. Bonjour, on dit tous coucou à la caméra. Voir s'il n'y a pas le mec de la sécurité ici. Ouais, la sécurité est là. Sorry, Control, I was just scratching my balls. You don't know what that means because you ain't got no balls, but that's okay. Bah, faut penser à tout, oui et non en fait. Faut juste éviter de courir partout et au bout d'un moment ça passe quoi. Mais je sais pas ne pas courir partout. You keep quiet, will you? Bad guys could be sneaking around there. I don't want them to hear you. Mais déjà là on va être plus tranquille parce qu'il y aura plus les caméras. Là il n'y a plus à s'occuper des caméras. Hop. Alors, la réserve. On a déjà accès à la réserve? Ah non, on n'a pas accès à la réserve. Mais ils sont où les bip bip? Ils sont où les trucs à hacker là? La famille Ackerman. Mais merde! Quoi, c'est en bas? Non mais c'est sérieux ça, putain. Bonjour. Je pense que... Ouais, il y a beaucoup de monde en bas, ouais. Bah, c'est tous les invités, en fait. La map, elle s'appelle... Bah voilà, ils sont en bas. La map, elle s'appelle... Vente aux enchères. Donc, en gros, là, c'est une vente aux enchères. Make sure nobody runs away.
Ça c'est fait. Oup là. Je vais passer. Je vais pas passer par là. Je voulais passer par là, mais au final, je vais essayer de passer par l'estrade. Eric Satie, dans le fond. Eric Satie dans le fond. Où ça? Non mais il y a du monde et toi tu arrives à passer discret. Bah hey. Génie ou pas, hein. Regarde. Bonjour. Hop là. Ah oui. Mais j'ai pas le choix de tenter le diable aussi, les trucs à hacker ils sont juste là. Putain, j'aurais dû partir de l'autre côté. Ah bah non, la réserve elle est là. Ah. Donc du coup, comme là on a hacké, comme là on a tué le mec dans la cam, ça va être plus facile pour hacker parce que là-bas j'aurais pas besoin de faire attention aux caméras, du coup je pourrais directement les prendre en otage. Bonjour. Down on the fucking ground. Get the fuck down. Coppers are going to be slower now. Down on the ground. And stay put. C'est bon, allez, valide-le-moi. Le courant il est là-haut, on a déjà ouvert la porte. Lui il me saoule, je vais pouvoir le buter. J'ai déjà utilisé 2 beepers sur 4. Ok, je vais passer par l'extérieur. Je pars charger en sac portuaire. Hop. Et voilà. Là on n'a plus qu'à attendre et prendre en otage le mec. La carte d'accès elle est sur le mec qui préside en fait. Donc du coup on va devoir attendre qu'il monte. Il va monter pour essayer de remettre le courant. Et du coup bah on va pas le tuer mais on va le prendre en otage. Remarque, on pourrait le tuer, il mérite. Get down on the ground. Get down. Hop. I found the key card. On met le courant. Ah. Comme je disais tout à l'heure, tout ça on va pouvoir le voler à la fin du à la fin de la partie. On peut pas ouvrir les... Non, c'est ça qu'on a vu. Il n'y a pas de l'argent sur lui. Là-bas il y a des bagues, on va pouvoir les voler aussi. Non, c'est pas de la chatte en fait, c'est que j'ai un niveau d'objet qui est vraiment vraiment ouf en fait avec ce perso là. Là je suis en gros
en full discrétion, mais vraiment full discrétion. Genre, plus discret que ça, tu meurs, quoi. J'ai pas encore débloqué tous les points, mais je peux encore être plus discret, mais vraiment compliqué. 2049. 2049, ça va être pour le code de... Bonjour. Ça va être le code du coffre en bas. Et du coup je vais passer par l'entrée. Mais putain, mais ils sont partout. Je peux passer nulle part. Je peux passer nulle part, ça me défonce. Ils sont partout. Il y en a un, il bouge pas. Il a pas de pattern, il bouge pas, il reste devant, il bouge pas. C'est quoi ce bordel? Il doit avoir mal aux jambes à la fin, faut qu'il bouge, qu'il se dégourdisse un peu les jambes. Du coup, on doit retourner à la réserve, mais avant d'aller à la réserve, je vais avoir besoin de récupérer le chalumeau. Je gueule toute seule, ça me stresse quand je vois les bonhommes. En vrai, il n'y a pas de stress. Normalement, il y a très peu de chances pour que je me fasse repérer, sauf quand je bug devant et que là, bug cerveau, et j'arrive pas à passer. Mais là, déjà, en plus, je suis en difficile, donc c'est vraiment, vraiment pas évident. Je suis en difficile, mais c'est pas le mode le plus difficile. Difficile, c'est le mode normal, en fait, on va dire. Genre, pas trop compliqué, mais pas trop dur non plus, quoi. Mais je crois qu'il y a un autre mec, là. Il a pas bougé, lui? Non, c'est bon, il est toujours là. Je vais faire le tour de l'autre côté. Le buter. Merde, c'était quoi le code? 2045. Y'a des gens qui ont retenu le code ou pas? On n'est pas beaucoup, allez s'il vous plaît. 2049. Je vais remonter. 2049, t'es sûr de toi ou pas? Ok, ah bah je l'ai vérifié quand même. C'est pas 2045 ou c'était la partie d'avant? 2049. Trop forte. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Putain. Perso, il commence à être essoufflé à force de courir comme une brute. Non mais c'est parce qu'on discute en même temps. Mais... All right, I'll do it. Et voilà. Là,
Là, on a fini la mission normalement. Enfin, fini. Il faut juste aller poser la tyrolienne et puis balancer tous les coffres en dehors du manoir. Mais sinon, la mission est terminée. Évidemment. Allez hop, 500 000 balles in the pocket. Maintenant, le tout, c'est d'aller partout. D'aller partout et de voler tous les artefacts. En toute discrétion, bien évidemment. Maintenant, il va falloir prendre tous les vases et tout, un par un. Il y a un truc bien, c'est si jamais je mise clic et j'appuie sur le mauvais bouton. Si jamais je mise clic et que j'appuie sur le mauvais bouton, le sac réapparaît pas trop loin. Par contre, il y a quand même deux bonhommes là qui voient des sacs partir avec une tyrolienne et qui font rien du tout. En fait, c'est une vente aux enchères, mais que pour aveugles. Je sais pas si je peux le voler ça. Est-ce que je peux le voler le cadavre? Moi, je veux le voler. Je vois un truc là à chaque fois. Y'a pas un truc qui s'affiche quand je suis là? Bah si, je peux le voler le cadavre. Un dernier hommage. Appuyez sur F pour rendre un dernier hommage. D'accord. Donc on peut rendre un dernier hommage. On peut rendre un dernier hommage aux morts. C'est trop cool. Un traîneau. Bah, il reste plus que ça, hein, c'est ça. Après, on va prendre tout ce qu'il y a dans la pièce à côté. En fait, on va faire pièce par pièce, ça va être plus. Ça va être ça.
celle-là elle est bientôt terminée. On va pouvoir passer à la salle suivante. Tout à l'heure je vais faire une. Là c'est une mission de d'échauffement et tout à l'heure je suis passé sur une mission en, que je vais tenter en overkill. Je sais que j'ai déjà réussi cette mission là en overkill, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Et du coup je veux la tenter. Du coup c'est le... C'est quoi tuer tout? De quoi? Overkill? Tu veux dire? C'est quoi l'overkill? Merde. L'overkill en fait c'est un mode. En fait c'est... Là je suis en... C'est comment? C'est un... Une difficulté, voilà. Là, je suis. Viens là. 2-5 over here, reporting in. The signs of intruders. Je vais me casser si. I'm not alright. I'm pissed, okay? When I get back there, I'm gonna fucking kick some ass all over the fucking place. Non, je peux y arriver. Ah putain! Bon, tant pis. Et merde! Quel con, j'ai pas fait attention. Aïe. L'arc est pas très utile hein, dans ce... maintenant. Mais je peux pas, je suis obligé d'attendre... pour fuir. Bon, je vais pas y arriver de toute façon. Ça va être chaud de tenter une mission en overkill, sachant que j'ai même pas réussi une mission en difficile. Okay, so we're going to Salem and steal the artifact from the Fancy Rich Twinkie party right before the. A retenu.
Ah, je te jure. Non, là, je suis en crime.net. Crime hors ligne. Contrat à la demande, c'est une approche. Moi, je veux faire une approche infiltration seulement. Le yacht en difficulté. Chaotique. Ouais, j'ai déjà réussi cette mission-là en chaotique deux fois. Et du coup, en chaotique, ça me fait gagner plus de 3 millions, enfin un petit peu moins de 4 millions de balles. I have very reliable information that he's moving a large amount of illegal cash into the country to use for his re-election campaign. J'ai pas vu 3 millions 850 000. Cette mission-là, elle est largement plus facile que l'autre. Il y a juste à courir, en fait. Un truc que j'aime bien faire. Converti automatiquement sur ton vrai compte quand tu réussis la quête sans te faire choper une seule fois. Bon, là par contre c'est de la discrétion, mais vraiment une discrétion totale qu'il faut. En overkill, en fait, ça double, ça va augmenter le nombre de gardes, le nombre de personnes, de civils, de pas le nombre de missions. Pourquoi faut monter ? Pas le nombre de missions, mais du coup, les patterns sont agrandis. Les patterns sont agrandis pour que bah ils puissent te détecter plus facilement, en fait. Il laisse pas beaucoup de place aux recherches. He's a god. Oh, c'est bon, ça va être facile. Si j'ai déjà réussi à le faire deux fois, c'est qu'il est facile. C'est juste, je vais tricher un peu et je vais prendre une photo. Alors. McKendrick's done so much for the community. I'm really glad we can support him like this. Qui arrive. Donc je sais qu'il n'y a personne ici, je vais pouvoir rester discret. Donc sur le deuxième fois, sur combien d'essais, eh ben ça je peux pas te le dire parce que c'est pas noté le nombre d'essais sur cette map là. Du coup je vais devoir trouver tout ce qui est rouge, tout ce qui est un truc rouge. Il y en a un dans le sous-sol, un frigo rouge. Je dois trouver une caisse de bateau rouge. Donc les caisses de bateau, c'est ça. Et au deuxième niveau, dans une bibliothèque et dans un cart pour la bouffe. Dans un garde-manger. Donc on va commencer par le frigo et on va finir par le haut. Bleu, jaune, rouge. Le bâtard, il se met juste là. Ah, tout est rouge en fait. Tout est rouge. En fait, tout a un symbole rouge comme ça dessus.
chat qui vient de faire tomber un truc. Arrête de mettre ta queue devant. Bouge ton cul là. Arrête de faire des conneries. Je sais pas si ça fait un truc quand on ouvre une autre couleur, je vais éviter parce que la flemme. Là en fait c'était noté au début de la mission, il y a juste à balancer les sacs parce qu'il y a un bateau qui fait le tour en fait et qui récupère les sacs au fur et à mesure on les pose. Donc j'ai pas noté le deuxième. Je vais me cacher. Ouais parce que tu te dis tu les balances à la mer, c'est bizarre qu'ils les récupèrent, je veux bien comprendre. Du coup, Mind Deck, je dois trouver un truc de bateau. Alors, je pense clairement qu'il est de l'autre côté. J'ai vu plein de trucs de bateau de ce côté là. Bah il est là. Ok. Donc ça c'est fait. Et maintenant ça va être deuxième étage. On a dit bookshelf. Donc bibliothèque. Bibliothèque et... Merde, putain, j'ai oublié bibliothèque et garde-manger. Bonjour. Je sais pas s'il y a un autre passage pour monter. Je me souviens plus. Là, je vois qu'il y a une, je vois qu'il y a un escalier. Possible qu'il y ait un passage. Là, ça a l'air d'être un coin safe. Il y en a quelques-uns des petits coins safe comme ça où tu peux te planquer. Ah bah il est là le garde-manger. Ah merde. Drop your weapon. Merde. Je pensais qu'il y avait l'eau directement derrière, j'ai oublié que j'étais au troisième étage. Putain. Oh non, faut tout refaire. Putain. Je suis trop con. Look out, guard. Oh là 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 là. Clairement, je pense que là, lui, ça va être un problème.
j'espère que j'aurai le temps. Alors, tac. Il m'en manque un. Non, c'est bon. Cortag rouge. Rouge, fridge, room 101, aquarium et food cart. Je suis déjà au level 1. Je suis déjà au niveau 1, donc on va voir s'il y a le food cart ici. I wish we'd been dining here as well. Ouais, food cart, y'a que le food cart à ce niveau-là. Bleu, bonjour. Bonjour. Ouais, je peux pas passer par là, faut que je fasse le tour. Je sais plus ce que j'ai dit. Frigo, chambre 101, aquarium et garde-manger. Avec la couleur rouge. Main deck, c'est chambre 101, aquarium. Aquarium, aquarium rouge, c'est ça. Watch out, there's a guard. He's a guard. Look out, guard. Aquarium, c'est bon. Aquarium, c'est bon. On a dit chambre 101. Bonjour. Je vais pas avoir le choix. Cours, 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 cours. S'arrêter là en plus ce trou de balle. Ah. Putain, 101, c'est de l'autre côté. Ok, il est là. Watch out, there's a guard. 102. Chambre 101, c'est là. Ok. Heureusement que j'ai débloqué la vitesse de crochetage plus rapide parce que sinon c'est chaud. Il n'y a que deux trucs d'argent, donc bah c'est bon, et large. Watch out,
Ok. Donc, chambre, aquarium, c'est fait. Plus que le garde-manger et le frigo. Le garde-manger, on a dit qu'il était au premier étage et il n'y avait rien au deuxième. Et le frigo. Je suis au deuxième là du coup. Je suis au deuxième où il y a encore un étage. Non, je suis au premier. Là, je suis au premier étage. Little Birdie's home. J'avais pas vu qu'il y avait des gens là. Mais il y a un mec là aussi. Hold him up. Sorry, Control, I was just scratching my balls. You don't know what that means, because you ain't got no balls, but that's okay. I'm just gonna check that right up. Fash. Sorry about that, you just can't. Y'a moyen de le cacher à un endroit, là. Je vais le balancer dans la flotte, hein. Je sais pas s'il passe ici ou pas... Les gardes de ce niveau. Hop là. Divini connu. Cache-toi sur la table. J'aimerais bien, mais je crois pas que ce soit possible. J'ai un seul beeper pour le moment. C'était du bleu. Putain, là il bouge pas. Faut que je descende et que je remonte de l'autre côté en fait. J'arrive pas à passer. Je vais aller faire le frigo. Le frigo, à mon avis, ça va être le plus simple. Bleu. On a bientôt la mission, elle est pas du tout finie, hein. La mission principale, c'est pas du tout ça, hein. Enfin, ça fait partie de la mission principale pour pouvoir continuer, t'es obligé de faire ça, mais ça c'est minime par rapport à la mission principale. Parce que là on avait même pas on a même pas fait 15% de la mission. Maintenant, faut qu'on aille au-dessus. On espère qu'il n'y ait personne. Faut qu'on passe au-dessus et qu'on arrive à trouver le quart de bouffe. Oh bah il est là. Hands in the air, fucker. Oh la vache. Une tension. All good here, Control. I just stepped on a lizard and got a little surprise. Non. Bah moi je la sens. Je serre les fesses tellement fort, je pourrais faire de l'huile. Oh. J'ai débloqué un truc. My body is ready, c'est ça que c'était marqué. Je sais pas ce que j'ai fait. Yes. Donc le quart de bouffe. À mon écran. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Il y avait personne là tout à l'heure. It's okay, Control. This job is for fucking more. Ah ouais, mais yeah, je fais tellement yeah, that's why I miss you. Genre, je suis tombé nez à nez avec un mec.
Mais j'ai plus de sac mortuaire, je peux pas le cacher. J'espère que c'était le seul garde qui passait ici. Hein. Il est clairement en plein passage, quoi. Je viens de tuer un mec en plein milieu d'un couloir. D'accord, GG. Mais comment je... Arrête. J'ai plus de sac mortuaire. Hop, là on atteint l'autre partie de la mission qui est le cambriolage de la banque de données. Hop. Arrête de foutre la merde là, putain. C'est pas un jeu ça. De quoi ? À moi et qui sont mes fils par exemple. Donc là sur la partie de la mission là, faire surcharger le cœur de réseau pour pouvoir ouvrir les grilles de sécurité. Ah, l'enfer. Pouette. 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 Hop. Pouette. 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 Qu'est-ce que tu fais, putain? Pouette. 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 Je compte le temps, en fait, en pouette. Parce que je dois passer entre des lignes de sécurité. Pouette. Je suis tellement concentré. God. Plus que le dernier. Inter. Hop là. Et voilà. Mission terminée. Ah mon cœur. Ah mon cœur. Great job, gang. You really screwed McKendrick over this time. Et voilà. He won't be happy when he finds out all that money's gone. En chaotique plutôt même. Envoyé sur le compte offshore, j'ai gagné 5 millions de balles. Là je passe niveau 76 normalement. Donc c'est là une des missions les plus faciles quand même. C'est une des missions les plus faciles. T'aurais dû voir le gameplay. Putain, GG.
Ah putain, je vais finir la mission en chaotique. Je suis trop fort. Celui-là, je l'ai réussi. Commissioner Garrett has arrested the elephant on trumped-up charges in order to get an item he has that the owners of Murky Water, these Kotaru people want. He's making a deal to give it to them in exchange yes. for what we can ouais, only guess is the Discord body aussi. Of Bane, now that they've done with him. The item is obviously... Attends, je me décode Discord du coup. Tchuss, bon jeu. Bisous. De remettre OBS. Oh, no, BS. We don't know exactly what we're after, beyond it being an object. It's probably one of those know it when you see it type of things. But it's likely that Garrett has already taken it from evidence and stashed it somewhere in his office. My contact inside said he's there and see. Well, you have to get the oil temperature just right. Everybody. Alors, je connais pas vraiment le final de cette mission, j'ai jamais réussi à la faire en entier. Je sais qu'on doit rendre visite au FBI. Là, on est dans les locaux du FBI. Stay off the fucking cameras. Watch out, there's a guard. It's a guard. C'est dans le jeu que ça tonne. Entrée. Bouge là. Comment tu veux que je passe? Ah, le tableau il est en bas. Allez. Training room. Training room. C'est quoi? Human resource. Opération. En fait, là, du coup, faut trouver la salle d'entraînement. Et dedans, en fait, c'est l'ordi de la salle d'entraînement qu'on va devoir pirater. Je sais qu'on va devoir pirater un ordi pour pouvoir ouvrir les portiques. Et pendant le temps où le portique va se faire pirater, il va falloir aller ouvrir le portique. Donc du coup, en évitant tous les gardes le temps que le portique... pendant le piratage. Et le piratage, je crois qu'il dure une dizaine ou une trentaine de secondes. Une vingtaine de secondes. Server room, je vais le mettre là-bas. Et là, je crois que c'est marqué training room. Careful, there's a guard. Storage room, merde. Putain, la training room, elle est où? Training room. Hop. Voilà. Et là, on peut voir le portique de sécurité.
aller trouver le bureau de Garrett. Le Garrett, c'est le chef du... Le chef du FBI. Putain, j'arrête pas de bailler, c'est chiant. Faut que je dorme. Je vais aller me faire un café, peut-être. Ça va être mieux. C'est pas la salle de sécu, ça. Security room. Security office, pardon. La salle de sécurité, t'es en vacances. Bah non, je suis en travail à la maison. It's okay, control. Yeah, just changing the batteries. This radio's a piece of shit, you know? Non, mais non, c'est vendredi, non? On est vendredi aujourd'hui? Non, jeudi. Un milliard. Look out, guard. On est là. Attirer Garrett hors de son bureau. Je sais pas si la musique s'entend bien, je sais pas vérifier. Ça a l'air en tout cas. C'est là. Et il va retourner à son bureau là, non c'est... Trouver le coffre-fort. Ah, le bâtard! Mais comment tu fais? How did
this gets so begucked, just take a rest, friends, while I work some magic and get you out, yeah? Mais il y a 1 milliard de codes. C'est quoi ce bordel? Il y a 1 milliard de codes, comment tu veux rentrer? Ah putain. Comment tu veux rentrer? Non, we don't know exactly what we're after, beyond it being an object. Putain, j'avais fait une grande super là. But it's likely that Garrett. Guess this will be a bit of fun, yeah? Messing about with the commissioner. I'm impressed. Non mais ils sont à côté, certes, mais faut rentrer quoi. Et eux, ils sont pas visibles, quoi. Abusé. My image rights are not for sale. Stay off the cameras. Du coup, bon, on doit retrouver le tableau. Watch out, guard. Putain, ils sont partout. Il bouge jamais, lui, c'est pas possible. Il y a toujours un qui bouge jamais. C'est un guard. Un tableau, mais c'est pas lui. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de tableau là. Pas de tableau en bas. Le tableau, j'ai l'impression qu'il est pas en bas. Storage, il est pas storage. Serveur, il est pas serveur. Là-dedans, il y est pas. Ouais, il est où? J'ai bien fait toutes les pièces. Why do we have this fucking J'ai pas du tout où était le tableau. Well, you have to get the oil temperature just right. Everybody knows the secrets in the glaze. No, friend, it's in the batter. Alors, là-dedans. Mais putain! Infernal, ils sont tous là, ils sont tous dans ce couloir là, mais qu'est-ce qu'ils foutent? En fait, il peut être que dans différentes pièces. Putain, il y a un mec qui donne un cours à côté là. Il peut être que dans différentes pièces, mais j'ai l'impression d'avoir fait toutes les pièces du bas et il y est pas. En fait, c'est soit il est sur le mur là, là ou là dans cette pièce là. Soit il est. Hop, il est ici. Soit il est ici. Soit il est là, je crois. Sinon, il est bah, en bas. En bas, il peut être en bas aussi. C'est un tableau blanc en fait, avec des inscriptions dessus, en rouge.
Comme ça, bah voilà, c'est lui. Là il dit le nouveau mec de la sécurité a laissé son ordi dans la cuisine. Je sais que la cuisine c'est là. Merde, il y a un mec. Mec partout. Je vais me mettre là. Le PC il est là. Là où je vise. Il y a toujours un mec dans cette putain de cuisine là. Et c'est la tranquille la cuisine. No, I'm not alright. I'm pissed, okay? When I get back there, I'm gonna fucking kick some ass all over the fucking place. Putain, je dois examiner les portiques de sécurité avant. J'ai pas lu. Je dois aller quand même voir les portiques de sécu avant. Bouge mon pote. S'il te plaît, bouge. Bah ouais, c'est le but hein. C'est le but. Oh mais putain, mais ils sont tous là. Je veux aller trop vite. Je veux passer cette partie là trop vite et au final je me fais avoir. Exactly what we're after, beyond it being an object. It's probably one of those night when you see it type of things. But it's likely that Garrett has already taken it from evidence and stashed it somewhere in his office. Well, you have to get the oil temperature just right. Alors. Le tableau c'est bien. Par contre le truc c'est qu'ils écrivent en rouge. C'est vraiment pas pratique. Kitchen, j'ai l'impression d'avoir lu. Human Resource Room. Tu vas venir sur moi. C'est marqué HR Room, donc c'est Human Resource Room. Careful, there's a guard. Là je suis en très difficile. Je joue pas cette mission là en fait, j'ai jamais réussi à la terminer. Même en normal j'arrive jamais à la terminer. Donc déjà en très difficile c'est pas trop mal. Je suis sûr c'est un DV sa femme ça. Thank you.
Putain, mais bouge! Ah non mais là je suis niveau 76. Je peux pas passer encore des niveaux d'infamie. Pardon. It's a guard. Je joue pas souvent, aussi souvent que ça en fait. C'est un jeu qui est vite lassant vu que les missions sont toujours assez souvent les mêmes. Ok, pas le temps. I think there was a piece of tinfoil on the antenna. It's fixed now. Oh la vache! Trop de pression. Camera. Watch out, guard. Je pourrais me cacher là ou... Je sais pas le truc d'afficher. Pourquoi j'ai pas le... Suivre les instructions de Locke pour attirer Garrett hors du bureau. Bah ouais, mais il me dit rien. Il dit pas que ça a bugué. J'espère que ça a pas bugué. Peut-être que j'ai voir le code sur la porte pour passer à la partie d'après. It's a guard. Je crois que ça a bugué. Je peux pas y aller doucement. Mais je crois que ça a bugué là. Pourquoi je peux pas aller à la prochaine partie? Wesh. Que faire?
Que faire. Sinon, faut que j'aille voir un par un tous les trucs pour couper le courant là. S'abuser. Je crois que c'était celui-là tout à l'heure. Wesh. Down on the ground. Get down, asshole. Get the fuck down. Use the civvies to your advantage. Ah. Bon. Mais putain, ça a bugué. Ça casse les couilles. Ça casse les couilles. No, we don't know exactly what we're after, beyond it being an object. It's probably one of those night when you see it type of things. But it's likely that Garrett... Well, you have to get the oil temperature just right. Everybody knows the secret. Je vais y arriver. No. Can't believe we're going back to this place. Je vais y arriver. Ok, le tableau est là. Je te jure. Don't forget, they got that CCTV, remember? Kitchen, je crois avoir lu. Careful, there's a guard. Server room, je l'avais dit. Et voilà, discrétion au top. You know, you could be a bad guy who killed Control and are pretending to be them. How would I know? You could be coming for me right now, huh? Right. Look out, guard. Wish. Des mecs partout. Ok,
je vais devoir venir ici. Allez! Non mais sérieux? Fucking bored here. How long is left on my shift, you assholes? Allez. Comment je vais faire? Come with me. Viens là. Vite! Non, là. Mais non. Mais sérieux, mais l'autre il est parti faire le grand tour aussi. How did this get so becocked? Those kennels won't be holding you for long, friends. I'll have you released soon. Ça me casse les couilles, putain. Oh putain. No, we don't know exactly what we're after, beyond it being an object. It's probably one of those nuts. Guess this will be a bit of fun, yeah? Messing about. Stay off the fucking cameras. Operation Room. Non mais là, en fait c'est juste, j'étais obligé de décaler l'otage derrière, sauf que l'otage il a quand même fait le grand tour pour l'avoir quoi. Il est pas modélisé ce PC. Ils sont vraiment pas fait chier. C'est toi qui es trop pressé, ouais. Je suis pas trop pressé. Je suis hyper lent dans ce que je fais là. Ah putain, la carte elle a changé. Les connards. Elle est où la sécurité ici? Watch out, there's a guard. Oh là. Elle est où la sécurité sur cette carte là?
où la pièce de sécu là-dedans. D'accès que celui-là où il y a de la coque. Il va falloir prendre la cocaïne. Pour pouvoir finir le stream là, faut la coke. La bonne coke. Putain, la pièce de sécurité, elle est où là? Solo mon Garrett. Ouais. Je kiffe ce jeu, j'y rejoue de temps en temps. Sérieux? Non bah alors regarde pas ce gameplay magnifique. Je te jure que ça va te faire pleurer. Mais il y a eu quelques mises à jour il n'y a pas très longtemps sur ce jeu. Il est vraiment vraiment bien quand même. Ah, bâtard. Putain. Come on, friend. Save those bullets for the girls. J'ai le seum. Mais j'ai pas trouvé la pièce de sécurité là, putain. Ça me casse les couilles, je sais pas où est-ce qu'elle est. Ouais, je suis qu'en difficile aussi. Et t'as vu, j'y arrive même pas. Tout à l'heure, j'ai réussi un truc en chaotique. Et là, j'arrive même pas à faire une mission en difficile. Operation Room. I don't wanna see your pretty ass on TV, okay? Mais en fait, il y a pas d'étage sur cette map là, c'est tout se passe sur cet étage là. Putain, ça me saoule. Ça me saoule, ça me saoule. Oh, je vais devoir faire le grand tour, ils sont sérieux là? Putain. Putain. Je sais pas pouvoir y aller. T'es sérieux? Hop là, pousse-toi. Non mais il y a l'autre qui va le voir au bout. I answer you when I fucking want to, okay? I've had a hard life, you know? I work for this. Now let me fucking do my job in peace and quiet, all right? Stop calling me all the time. C'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe pas. Putain.
temps dans ce couloir de merde en plus là. Allez. Ouais, mais sur cette map là, les mines c'est pas les mines en mode détection. Ouais, qu'elles passent au moment mais en explosant, ça fait pas, ça te fait pas te détecter. Ah, ça détecte juste les mecs qui passent. Ah, trop bien. Ah, je savais pas. Je crois que j'avais lu un guide de stealth comme ça. Marre. Je suis trop dissipé, perturbé tous. Attends, du coup, je vais aller voir le retour au menu principal. Ouais. Mais je crois que j'avais fait un. Merde, ma caméra est pas droite. Je crois que j'avais fait un mode comme ça en stealth. Déjà, j'ai pas augmenté mes atouts. Ça c'est champ de mine, hein. Vous obtenez une charge creuse et 4 mines supplémentaires. Du coup c'est ça. Ouais, 6 portatifs, ça ne sert à rien sur ces trucs là. Je crois que c'est ça, ces champs de mine là. Bonne nuit, Coco. Du coup, je crois que c'est cambrioleur le mieux dessus. Je suis pas sûr. Je suis plus sûr de rien là, du coup. Gorille, ça c'était pour... ouais, cambrioleur c'est le mieux. Sur quoi tu me l'as envoyé? Tu me l'as envoyé sur Discord, c'est ça? Je crois que c'est ton truc que j'avais lu. Alors, la base de la base du basique, d'accord. Attends, du coup, tac. T'as fantôme.
Ah oui, d'accord. Ouais, en gros, tu pars sur un... Tu prends pas ça et tu prends ça. Non, ça, ça et ça. Aucun équipement n'est sélectionné. Pas de CME, pas de mine, pas de sac mortuaire, pas de perceuse, rien, nada. Ah, tu pars sur un Akimbo, toi. Akimbo, attends, est-ce que je peux pas lire en même temps? Tu pars sur un Akimbo et en arme de jet, c'est soit. Voilà, en fait, les armes de jet, je crois qu'elles ont changé. Les armes de jet maintenant. Paf paf. T'as pas. Ah, c'est peut-être ça, CME de poche. Ah oui, d'accord. Le CME de poche, d'accord, moi je l'ai pas acheté. J'ai juste l'as de pique. Gilet balistique, non. Voilà, là je suis à risque de détection 3. Bonus de dissimulation des armes. Spammer le jour de paye offshore. Du coup, tu pars, les CME, c'est l'équipement le plus versatile. Voilà. Valise de sac mortuaire. D'accord. Donc, du coup, tu remplaces quoi? C'est le CME que tu remplaces par ça, mine et charge creuse? Ou tu gardes le CME et tu prends pas les sacs mortuaires? Au final, les sacs mortuaires, ça sert que tu prends ça et ça définir en tant que secondaire, peut-être. Attends, parce que du coup, je vois pas le chat encore. Expert en CME, amélioration CME. Nettoyeur, champ de mine. Ouais, champ de mine, du coup, c'est ce que j'ai. En fait, je peux faire ça. Tac. Fantôme. Et champ de mine, je crois que je l'ai débloqué. Mais champ de mine, je l'ai pas débloqué comme ça. Mine en primaire et sément ou sac en secondaire. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai mis. Compétences, technicien. Et enfin, les perceuses. Ouais. Là, il n'y a pas de perceuse, donc on s'en fout. Mais les CME, par contre, ça va être utile. Et t'es en mode hacker. Cambrioleur. Hein, hacker est pour moi la plus utile avec les CME portatifs. Ouais, pour le moment je vais rester sur ma pioche parce que de toute façon la pioche ça va être la plus compliquée à changer. Merde. Puis là je suis pas en Yakuza, je suis en... Faudra que je regarde s'il y a un moyen d'avoir... Ouais, mais j'arrive pas à la finir, hein. J'essaye, hein. Je suis dessus depuis un moment, hein, sur celle-là. Je suis dessus depuis un moment et c'est vrai que je les ai pas finis. C'est quoi? Je vais la tenter comme ça. Merde. Crime hors ligne. Contrat à la demande et on a dit c'est... Visite officieuse. Commissioner Garrett has arrested the elephant on trumped up charges in order to get an item he has that the owners of Murky Water, these Kotaru people want. Bon, je vais déjà essayer de la finir en normal.
En normal, en difficile, pardon. No, we don't know exactly what we're after, beyond it being an object. Et on va voir si si ça passe. Can't believe we're going back to this place. Ah, j'ai l'automode qui j'ai l'automode qui a refusé ton truc parce que t'as marqué va te faire. Oh t'inquiète, non mais de toute façon je vais pas tarder, je vais aller me coucher quand même assez tôt. Là si je fais des games jusqu'à minuit à chaque fois, je vais finir par péter un plomb. Mais de toute façon, demain on va essayer de reprendre Satisfactory. On n'a rien fini, on n'a rien commencé encore. Get down! Down on the ground! Coppers are going to be slower now! Mais putain, je suis resté bloqué dans le bureau. Ah non, on n'a pas fini. On a même très très loin d'être fini. J'ai l'impression que je cours plus vite. Pourquoi on tu joues à toute seule? Ah, pourquoi on tu joues pas tout seul? Bah je jouais tout seul et au final Eldo est venu me rejoindre sur la partie parce que ça le faisait hurler de voir que je faisais de la merde. En fait il m'a donné des tips. Et au final je le fais encore plus rager parce que je fais de la merde même avec lui. Ouais, c'est plus simple à deux. Largement. Bon, en fait, on a fait en une soirée ce que j'ai fait en deux jours. HR Room. Ressources humaines. Ouais, pas plus simple, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide. Lui, il fait tout et moi, je le regarde. C'est pour ça que c'est plus rapide. En fait, je suis le caméraman. D'ailleurs, je t'ai pas dit, mais pendant que t'étais parti, enfin pendant que t'étais en train de dormir, du coup j'ai récupéré. Je suis allé récupérer 5 disques durs, du coup dans les crashs. 5 disques durs, donc j'ai utilisé les. Je suis allé voir les sites de crash. Je suis allé voir les sites de crash du coup qu'on avait déjà visité où il manquait les moteurs, sachant que là on avait une quantité de moteurs astronomique. Et ouais du coup bah j'ai arrêté parce que je commençais à fatiguer et... Du coup t'as vu que j'avais fait un truc de tuyau et j'ai commencé à mettre une chaîne de. Une chaîne de construction. J'ai commencé à mettre une plateforme au niveau du pétrole aussi.
Bah c'est juste que en fait j'ai vu ce que t'avais fait et je suis juste en train de te copier de ouf quoi. Hein. Je copie juste ce que t'avais fait. Là j'ai vu que t'étais allé là-bas, je suis allé là-bas, je me suis baladé. Je me suis baladé un peu partout. Je me souviens plus. Ressources humaines. Ah merde. Salut. Je discute et du coup je fais plus attention. I'm not alright. I'm pissed, okay? When I get back there, I'm gonna fucking kick some ass all over the fucking place. Yeah, I understand. Yeah, sorry. Bah, c'est moi. Non, au final, c'est nous deux. C'est, on l'a fait ensemble, sachant que c'est pas plus moi que toi, vu que c'est les constructeurs qui ont tout fait. Moi, je me suis juste chargé de mettre les constructeurs en place. Après. En vrai, il y a quand même vachement de travail d'équipe hein, dans ce qu'on a fait. Moi, j'ai juste fait un gros truc derrière pour l'acier et les plaques. D'ailleurs, les plaques, maintenant, on en est une chier, hein, je te jure. On devrait augmenter la place du le stockage parce que franchement, c'est abusé. Careful, there's a guard. Je crois que c'est marqué security room là-bas. Je vais essayer d'y aller. Ou evidence room peut-être. Security room, c'est ça. Security office. Je dis pas qu'il y a quelqu'un. Non, c'est bon, il y a personne. Ouais. Allez, mette-moi ce petit cul là. Ah bah t'es ce petit cul là. Yeah, just changing the batteries. This radio's a piece of shit, you know. Pas besoin du cadavre. Ouais, je vais. Les mines, c'est quoi déjà? C'est G. Ouais, c'est ça, c'est G. Et t'es sûr que ça explose pas, hein? C'est toi qui les fais exploser les mines? J'ai peur. J'ai peur de les utiliser, j'ai peur que ça explose en fait. Ah non, d'accord. Bip. Ah merde. Ah putain, il y en a qui revient. Oh putain, trop utile en fait. Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? C'est trop jouissif d'avoir le bip bip là. Ah, bonjour Jean-Michel. Look out, guard. Get down on the ground. You stay where you are. Bah ouais. Put him up. I think there was a piece of tinfoil on the antenna. It's fixed now. Vas-y, j'en ai marre. Mais putain, c'est trop fou de ça. C'est la marde. Un tiers-bas.
Putain! Bon, vas-y, je vais arrêter là. Je vais arrêter là, je tourne en rond là. J'en peux plus. Mais cette mission là, j'ai jamais réussi à la faire. Il y a l'autre. Merde, comment elle s'appelle? Genre, il y en a, j'arrive à les finir en chaotique hyper facilement. Et celle-là, j'ai jamais réussi à la faire. Dossier du FBI, non. Mais ouais, elle est hyper dure. C'est abusé. C'est quoi, c'est inventaire Steam? J'ai pas de trucs à débloquer là-dessus? Inventaire. Je croyais qu'il y avait des trucs à débloquer ou non. Je me souviens plus où c'est. Je l'aime pas non plus parce que j'y arrive pas du tout. Mais alors tellement pas. Mais c'est juste parce que j'y arrive pas. En vrai je pense que une fois que t'as compris les patterns des mecs et tout ça, ça passe, mais là. T'inquiète, on fera des games quand tu veux. Quand tu veux, quand tu veux. Bon, bah moi je vais vous dire bonne soirée, bonne nuit. Partir sur une belle défaite comme ça là. Quel dégoût. Je suis dégoûté de mes jeux. Je sais plus jouer, c'est fini. Allez, bonne nuit tout le monde. Ciao.